Bonjour et bienvenue à tous. Alors aujourd'hui, on est un peu loin de la région parisienne. On est pas très loin de Chantilly, dans un cadre assez bourgeois. Tout ça pourquoi? Pour découvrir l'une des toutes premières Citroën C3 Aircross, nouvelle génération, sortie des usines de PSA. Mais comme vous pouvez le voir, là, cette génération là de C3 Aircross, ça n'a plus rien à voir avec l'ancienne génération. Beaucoup plus grande, beaucoup plus spacieuse, beaucoup plus large aussi, beaucoup plus technologique, puisque vous avez même des versions électriques. Mais alors ça, on va faire le point juste après. Bon alors, cette nouvelle génération de C3 Aircross, qu'est-ce que c'est? C'est donc toujours un SUV urbain, sauf que ce SUV urbain a pris franchement de l'envergure, puisqu'on est quasiment à 4,40 m de long. C'est un peu plus de 23 cm que l'ancienne génération. Alors tout ça pourquoi? Pour offrir aux clients de Citroën un tout nouveau modèle qui, mine de rien, a de la gueule. Regardez-moi cette face avant. On est donc sur l'esprit de la nouvelle C3, mais en beaucoup plus robuste encore, parce que donc on est sur le côté SUV, donc faut que ça soit surélevé, faut que ça fasse un peu de la masse. Et regardez cette face avant. Donc si on retrouve les fameux feux en C à trois bandes de la C3, c'est bien l'une des seules choses qui est à peu près conservée sur cette C3 Aircross, puisque le bouclier est évidemment plus massif, plus enveloppant. Là ici vous avez des superbes sabots qui font qui prennent en tenaille cette partie noire. Le logo nouvelle génération est conservé trop nombreux en son centre, mais vous avez maintenant cette bande noire qui elle est un peu plus travaillée avec des stries style 3D, donc ça donne vraiment une allure beaucoup plus sportive, plus robuste. Moi j'apprécie particulièrement. Mais bon, revenons sur ce côté, ce profil, parce que c'est ici que tout change. Alors vraiment, ce qui fait vraiment la différence entre les C3 d'ancienne génération et même la C3 nouvelle génération, puisque c'est un peu le medley de tout cela, c'est que ce nouveau C3 Aircross donc est donc beaucoup beaucoup plus grand. Il est plus grand, donc presque 4,40 m. Tout ça pourquoi? Pour dans une version à 7 places, vous avez donc la possibilité d'avoir un troisième rang. Alors, ne pensez pas que c'est deux places pour adultes, hein. C'est vraiment des places d'appoint. Ce sont des sortes de petits strapontins, mais ça reste quand même des vrais sièges. Mais bon, plutôt à mettre à disposition des plus petits d'entre nous, puisque ce n'est pas donc un transporteur de troupes, hein. En soi, c'est vraiment des places occasionnelles. Donc, il sert vraiment à ça. Et donc, il rentre quoi? Ce C3 Aircross crée une toute nouvelle génération de SUV, de véhicules. Donc c'est un SUV urbain et pourtant capable de transporter jusqu'à 7 personnes. C'est le seul dans cette gamme là, bien que certains vont pouvoir l'affilier avec le Dacia Jogger, et ils n'ont pas forcément tort, puisque même si le Dacia Jogger est un peu plus long de 15 cm environ, on est vraiment sur des concepts assez proches, puisque donc on est de côté SUV, donc le côté un peu robuste avec des arches de roues extrêmement travaillées. Ici vous avez des jantes de 17 pouces avec des gros flancs, et ce qui est intéressant, c'est que Citroën installe de série les fameuses butées à hydraulique. Oui, les fameuses butées hydrauliques qui vont nous donner donc un confort juste totalement délirant par rapport aux autres. Moi qui suis fan de cette fameuse butée sur le C4, Citroën nous promet que ce sera au minimum de la même envergure, donc un engin vraiment fait pour voyager dans un confort hors du commun. Là, mine de rien, ce que vous voyez ici, c'est un câble électrique. Pourquoi? Parce que cette génération de C3 Aircross change vraiment tout au niveau des technologies, puisque vous avez même deux versions électriques.
Alors parlons un peu des motorisations. Donc je vous ai parlé de deux versions électriques. Oui, ce nouveau C3 Aircross donc passe au 100% électrique. Le premier système qui sera le premier vendu va se contenter d'une batterie de 44 kWh comme celle de la C3 nouvelle génération, donc avec un petit moteur de 116 chevaux de mémoire. Mais Citroën nous promet aussi une autre batterie, une de 54 kWh en NMC, qui va lui permettre de parcourir aux alentours de 400 km, alors que la première, on va plutôt être sur les 300 km d'autonomie. Mais pour ceux qui aiment vraiment les voyages, sachez que, et qui ne veulent pas de problème d'autonomie ni quoi que ce soit, sachez que, évidemment, ils ont conservé des moteurs thermiques. En réalité, vous avez deux moteurs essence. Le premier est un 1,2 litre turbo-essence de 100 chevaux. Il sera exclusivement monté avec une boîte mécanique. Et vous allez avoir aussi accès au tout nouveau moteur micro-hybride 48 volts de Citroën, celui qui fait 136 chevaux, qu'on a déjà vu sur 3008 ou sur Peugeot 308. Quoi. Toute la gamme qui est en train de se mettre en place. Il est en train de se généraliser, donc il est associé à une boîte. Ce 1,2 litre PureTech 130 chevaux est associé à une boîte de vitesse 6 rapports qui est elle-même couplée à un alternodémarreur qui dispose d'un peu plus de 20 chevaux et d'une batterie donc de 48 volts qui fait un peu moins d'un kilowattheure, et le tout produit techniquement 136 chevaux, mais c'est surtout ces consommations qui vont être extrêmement réduites, puisqu'on le sait, on l'a déjà essayé sur d'autres engins en ville. Ce système fait vraiment des miracles et est capable de vraiment propulser la voiture jusqu'à 50-60 km/h avec la batterie sans donc consommer d'essence. Et donc, ça promet des consommations ultra basses. Voici les quatre moteurs que nous allons avoir sur ce C3 Aircross. Bon, après ce petit tour technique et esthétique, il est enfin temps pour moi de vous montrer un peu l'intérieur, parce que il dénote hein, par rapport au reste de la production automobile aujourd'hui. Bien que, regardez ce tableau de bord, extrêmement rectiligne, il est fortement inspiré de la nouvelle génération de C3. Donc vous avez toujours ces renflements bien qualitatifs avec des belles finitions comme ce tissu perforé, vraiment très élégant. Vous avez cette fameuse dalle de contrôle. Là, comme c'est une voiture de pré-série, forcément, c'est tombé en panne. C'est comme ça. Vous avez au-dessus du volant la vision tête haute qui est vraiment très pratique. Hein. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment au-dessus, même avec le volant pas dans le bon sens. Le fameux logo, tous les boutons d'infodivertissement sont sur le volant avec ce fameux méplat. On est presque sur une tentation de Citroën de singer le high cockpit de Peugeot avec le petit volant. On est vraiment sur à peu près les mêmes fonctions et ça marche plutôt bien, hein, ça fonctionne. Très important pour l'ergonomie. On conserve des boutons pour la clim, c'est super important, il n'y a rien de plus insupportable que ça. Donc voilà ce qu'il faut retenir sur ce tableau de bord. Mais l'un des savoir-faire de Citroën, c'est évidemment donc ce que je vous disais, le confort. Et bien le confort, il se vit aussi sur les sièges. Là, vous avez droit à des sièges vraiment d'une jolie facture, avec plein de matières différentes, mais ils sont surtout extrêmement moelleux. Puisqu'ils sont ils font partie du système Advanced Comfort qui ouvre vraiment le confort avec des mousses beaucoup plus hautes, beaucoup plus épaisses. C'est vraiment, vraiment assez bien fait là-dessus. On a confiance, même si on attend l'essai pour être sûr, mais moi, j'ai aucun doute, ils savent faire parce qu'on a déjà essayé des équivalents sur d'autres produits de la gamme. Voici vraiment l'intérieur avec ici quelques plastiques un peu durs mais qui se récupèrent avec cette finition faux cuir, des petits sticks un peu partout. Non, moi j'aime vraiment, c'est vraiment très très sobre mais à la fois très élégant. Après l'avant, il est évidemment temps de parler des places arrière parce que c'est vraiment l'un des
projet phare qui a été mis en place pour ce Citroën Aircross, c'est d'être donc un véhicule familial, et donc il faut de la place aussi à l'arrière, puisqu'on est donc sur un SUV urbain, mais qui se rapproche vraiment des dimensions d'une compacte. Et c'est là-dessus où l'approche est plutôt assez intéressante. Donc j'ai mis le siège avant pour mon 1,80 m. Donc mon 1,80 m à l'arrière, et regardez, j'ai aucun problème d'espace au genou. C'est vraiment assez bluffant. En largeur au coude, c'est un peu pareil. On est plutôt bien, on est plutôt confortable. Aucun problème sur la hauteur au niveau du toit. Regardez-moi ça. L'espace est toujours avec ces fameux sièges avancés de confort. Et c'est vrai que voilà, quand on peut s'amuser, on s'y sent bien. Mais en même temps, ces Citroën, on retrouve vraiment depuis une dizaine d'années le savoir-faire qui a vraiment tant fait la différence chez Citroën, c'est-à-dire le confort et le confort. Sans oublier le côté maintenant malin, pratique, puisque donc les deux sièges doivent théoriquement être à l'arrière. Mais là, j'ai une version 5 places à vous proposer, en tout cas pour l'instant. Mais à savoir que le coffre n'est pas en reste dans cette version 5 places, puisqu'on monte jusqu'à 460 litres. Alors 460 litres, ça donne quoi dans les faits? Bah, ça donne ça. C'est quand même l'un des plus gros coffres du segment des BSUV. Et vous avez donc cette fameuse trappe qui vous permet donc d'accéder à la partie arrière. Ou sinon, vous choisissez le plancher plat. Et comme le plancher est plat, il suffit juste de descendre les sièges pour avoir le plancher plat jusqu'au siège avant et de disposer de 1600 litres de capacité. C'est plutôt assez malin et assez bien foutu. Encore une fois, une voiture avec de l'espace. Bon, voilà l'ensemble des informations que nous avons aujourd'hui sur ce fameux nouveau Citroën Aircross. À savoir qu'il va falloir quand même attendre juin pour avoir véritablement les tarifs. Et les tarifs Dixit Citroën seront très agressifs. Très, très agressifs. Bon, j'ai essayé de les piquer pour savoir un peu plus que ça, si c'était un peu plus de 1500 euros plus cher qu'une C3. Oui, c'est en effet un peu plus que ça. Mais mon petit doigt me dit qu'on devrait tourner peut-être aux alentours de 2000 ou 2500 euros de plus qu'une C3, et donc on serait sur des prix dignes d'une autre marque française, quoi, plutôt franco-roumaine. A priori, ils devraient vraiment se battre avec des objets roulants venus de Roumanie, comme le Dacia Jogger ou le Dacia Duster. Tout en étant beaucoup plus chic, beaucoup plus mieux fini, avec un confort vraiment hors du commun. Donc oui, ça risque d'être une très 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 bonne affaire à suivre, puisque là, franchement, je ne vois pas ce qu'on peut lui reprocher. Il va falloir vraiment suivre les essais, les prix, et on va bientôt avoir les fiches techniques. Donc, bah, pas le choix, hein. Il va falloir nous retrouver sur la revue automobile, les gars. Et le